les instructions, les normes d'électronique. Et c'est vraiment moi pouvoir le faire à sa place. C'est les médailles que le président avait décidé de décerner à ses voyants, chevalier de l'Ordre national de Lyon. Et je me suis fait le devoir de le faire aujourd'hui ici au ministère des Sports. Et je voudrais féliciter l'ensemble de la délégation officielle, féliciter le président de la Fédération sénégalaise de football et l'ensemble des vice-présidents et membres du comité exécutif. Et il avait promis aussi de donner 10 millions à chaque joueur ou à chaque membre de la délégation officielle. Et on vient de le faire avec ces jeunes-là qui méritent cet accompagnement. Et j'ai rappelé aussi la mission que le président leur a demandé en tout cas d'accomplir. C'est d'aller en Russie et d'aller en finale. Et dès qu'ils arriveront en finale, le président sera là-bas. C'est source de motivation, ils l'ont compris. Donc, c'était une occasion aussi de revenir sur le doyen Sissita, qui a été le précurseur du but sur soccer. Et je sais qu'il est très fier aujourd'hui de voir une discipline qu'il a protégée, qu'il a encadrée. Aujourd'hui, en tant que manager général, les résultats commencent à suivre. Et c'est une satisfaction pour le ministre des Sports que je suis et l'ensemble des sportifs sénégalais.